Salut, vous vous apprêtez à voir le best-of du live de Fermeture Epicube qui est sorti il y a une semaine et qui date d'il y a un an. Vu que j'ai pensé à votre plaisir auditif, sachez que cette vidéo comporte quelques bruits parasites que je n'ai pas su enlever. Je les ai quand même minimisés, vous en faites pas, j'ai pensé à vous quand même. Bon, je vous laisse, allez, bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Sonic, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et bah non, c'était pas Sonic en fait. Et voilà, c'était Darkbo, coucou, dans le costume de Sonic. Donc voilà, c'est Sonic, c'est Darkbo pour la vidéo sur la fermeture du serveur Epicube. Donc là, je suis sur le hub 2016 de Epicube, donc je sais pas si vous l'aurez reconnu. Moi, j'ai regardé les hubs, les anciens hubs qu'ils ont montrés. 2016, je me suis dit, putain, mais j'ai l'impression que c'est un hub 2017 en fait, pas 2016. Je me suis un peu trompé sur l'estimation, mais en vrai, le hub actuel, il n'y a que depuis pas longtemps. Donc là, je passe par l'entrée VIP, et il me semble que le serveur n'est ouvert qu'au VIP, là. On sait pas si ça va revenir comme ça ou pas, etc., mais on va quand même profiter de la dernière journée où il y a Epicube d'ouvert, avant un bon bail, ou un bon bout de temps, ou avant même que ça ouvre pas du tout, ou que ça ouvre sous un autre truc carrément différent. Donc, on peut aller en PVP swap. Non, on va faire l'entrée. Putain, je suis encore trop habitué au Game Start. C'est abusé, c'est 8 mois de host. Comment ça m'a habitué au Game Start? Ce Game Start aussi que je me mets dans mes plugins sur mon serveur, ça m'habitue beaucoup trop à faire slash Game Start et tout. Alors que là, je suis en simple joueur, je ne peux rien faire. Ah, mobilité, comme vous le savez, on change pas les bons kits. Et par contre, le serveur lag un peu parce qu'on est beaucoup dessus pour la fermeture. Donc là, ça ferme dans 2 heures. Il est 21h48, ça ferme à 23h59. Blocage de mouton. Je sais même pas comment ils font pour les doubles boss barres. Oh putain, les doubles boss barres. Ah, alors, ouais, hop. Ah, putain, je suis mort. Je suis mort, décédé dès le premier round. Y'a même pas de round en vrai. Alors, on va se déco. Et là, non, y a pas de message. J'avais vu un message vraiment bien dès qu'on gagne des epicoins en fait. Qu'ils ont rajouté, c'est une référence à une musique de Renault. En vrai, je connais même pas le titre, mais la référence, vous allez normalement la voir bientôt. Donc, c'est quoi customisation des effets? Traîner des moutons, explosion des moutons, ouais, ok. Voilà, j'aime un peu le lag quand même. What? Non, mais c'est abusé, je meurs dès le début. Pareil, le kangourou, mouton incendie. Ok, ok, je dis plus rien. PVP swap. Putain, ouais, j'ai tous mes kits niveau 5, c'est vrai. Salut mon ami, mais ton nom me dit rien. UHC Run Badass. Ça te dit quelque chose. Donc là, hop. Allez, tac, tac. Allez, go, go, go. Faut juste faire gaffe à pas tomber. Non, c'est bon, là, il y a pas d'endroit où on peut tomber. Non, il y a pas de coffre. Je suis quasiment seul sur l'île. Ah non, on est trois. Putain, ils ont vidé les coffres ici. Oh, quelle chance. Et, ok, et on va essayer de l'atteindre quand même, ouais, ok. Et on perd des dégâts, oh, c'est triste. On va quand même mettre l'armure, enfin l'armure, le casque, le seul, l'unique, le meilleur casque au monde. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ah, il y a quelqu'un qui a un casque en fer, c'est mieux que moi. Par contre, il n'y a pas d'épée. Bon, en même temps, je peux essayer de parler de la Paris Games Week. Par rapport à la Paris Games Week en plus, il se trouve que j'ai pu découvrir, donc c'est... un jeu vraiment bien que j'ai envie de faire en vidéo. C'est pas un jeu d'action, mais c'est un jeu quel type? Je crois que c'est type puzzle, ça s'appelle. Oh putain là, attendez. Non, 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 mais non. Putain, y'a plus de coffre j'imagine. Oh, allez, prends ça. Par contre, on n'a pas d'épée. On va s'en prendre une là, si j'y arrive. Non, mais arrêtez les poulets, pas chier. En plus, c'est pile le but du truc des poulets et tout, c'est faire chier les gens pour les déstabiliser. Et ben pour le coup, ils réussissent bien. Hop, 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 hop. Ah, il y a un pseudo qui se rapproche. Ah, je lag, c'est connu, mais bon. Qu'est-ce que je fous? Ah, si, une épée. Par contre, il y a plus personne. Luzrod, il les tue tous à la fin. Bon bah ok, c'est génial. Je vais finir avec une épée en bois, avec un Mistoff pourri. Mistoff cuir au troisième swap, alors qu'il reste 5 joueurs et qu'ils ont tous tué un mec. C'est génial ça. Ou alors je me fais tuer maintenant. C'est une autre alternative. Oh, oh merci, vous me sauvez. Enfin, pourquoi il y a cette épée là par contre? Non, j'aime pas les lags quand même. Alors, et puis comme ça, ah ben non, ça ne met pas ici. Mais du coup, ok, il y a ce lag déjà. Bonjour, adieu. Ah, ok, c'est bon. J'adore les lags. Attendez, on va mettre un ressource pack. Ah, je suis mort. Ça s'est enchaîné si vite les coups.
On n'a pas moyen de faire un autre mini-jeu qui ne demande pas forcément de trop PVP. C'est-à-dire que là, on peut essayer quel mini-jeu, par exemple, Ship Wars non, parce que c'est galère à envoyer les items. Un totem, parce que c'est, ça se joue en équipe, je suis pas obligé de faire grand-chose. Oh, Hunger Games, putain, il y a du monde, cool. Tout à l'heure, il y avait personne. Par contre, ouais, je peux balader l'épée comme je veux, tellement je lag. Et là, si je demande slash lag, je suis sûr que ça vient de moi. Ah, faut que je prenne un screen. Je le montre. Ah, c'est abusé. 1597 nouveaux records battus. Je pense que j'aurais annoncé sur Twitter un nouveau record battu. Nouveau record battu. Ah, je lag. Ah, débarquement. Ok. Alors, pyromane. C'est pyromane. Salut. C'est pyromane. Comme ça, on a l'arc. Même si je lag, j'aurais peut-être un peu de chance. Parce que ce lance-flamme, c'est génial. Le lance-flamme, il n'y a pas plus fort. On a la classe, on l'a pas, et toi tu l'as. The Bird, allez, on va tuer ce mec. Ah, notre ami. Non, viens là, viens là. Ah, non, en fait, viens pas. Si, viens, oui, non, non. Ah, putain, saligo, saligo. Non, mais non, en fait, non. What? Non, non, va-t'en. Putain, j'avais pas vu l'autre truc derrière moi. Ah d'ailleurs, faudrait que je vous montre ce que j'ai eu comme peluche par Games Week. Enfin, plus qu'une peluche. Enfin, si c'est une peluche en vrai, mais c'est la peluche à avoir pour tout fan d'Assassination Classroom. Regardez comme il est beau. Oh, quel beau Koro. Wow, il vous fait un petit bisou. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un animé japonais génial qui nous a tous fait pleurer à la fin tellement il était beau. On a bien le kit, nickel. Allez, go, go, go. C'est qui? Wispy Woody. On est quelle équipe? Les bleus. Lance-flamme. Ça me rappelle le lance-flamme de... Enfin, le non-lance-flamme de Elon Musk. Je n'ai pas peur du feu. Je sais même pas quel super-héros n'a pas peur du feu. Nickel. Ah, c'est forcément un mec, pas moi. Oh, putain. Crevez, crevez. Je m'en fous, je me suicide à la limite. Meurs. Putain, c'est cancer, mais... Meurs. Attendez, je sais même pas s'il va mourir un mec du coup. Personne n'est mort du feu pour le moment. Personne n'est mort... Attends, c'est qui? Je suis mort de la main d'Alkai. Donc il était proche de Dalkai. Oui, Dalkai. Ah bah non, il est pas mort. Ah oui, c'était bleu, ouais. Bah il est pas mort, ouais, du coup. Alors, on va faire un autre mini-jeu, je pense. Totem, c'est peut-être un peu trop long. UHC, bah c'est pareil. Fight Club. On va faire du basique. Il y a pas le UHRN Badazon. Non, c'est pas le basique en vrai. Mais du basique, donc Fallen Kingdoms, ouais, évidemment. Surtout que j'ai tous les kits niveau 5. Non, non, il m'en manque un. Attendez, faut pas le laisser tout seul. On retourne au hub, l'améliorer. Boutique jeu. Hop, c'est Fallen Kingdoms. C'est celui-là, débloqué. Oh, niveau 4. Putain, plus qu'un niveau. Qu'est-ce qu'on a loupé du coup? Une pelle en diamant. Du coup, on va prendre ce kit, juste pour le lol. C'est... Attends, il a un skin de quoi? Oh, la base! Un lien du skin STP. Je veux le même. Bon, merde, j'ai pas choisi mon... J'ai quel kit, du coup? Ah, ça doit être pêcheur. Putain, mais non, ferme pas derrière toi. Les herbes, on les voit quasiment pas avec le pack. Ça, c'est du bois. Cette merde. Pardon, désolé. Je me suis un peu emporté. C'est le seul truc que mon PC peut faire tourner, donc... Ok, on va pas dire cette merde. C'est de l'argile marron, en fait, on dirait. De l'argile marron de Minecraft de base. T'es trop fort, mec. Ah, Koro-sensei. Bon, bah, il l'a peut-être dit à moi, mais en ironique, alors. Parce que sinon, je comprendrais pas qu'il l'a dit. T'es trop fort. Ah, tu m'as tué. Non, je... Bon, on a encore quelques bûches à détruire. On a que trop patates de merde. Je pense que je vais arrêter de dire de merde à chaque fois que je pense des trucs. Ça sera bien mieux. Trop patates. On va devoir survivre avec... Bonjour. C'est l'autre mec avec le skin de Koro Sensei. Vous remarquez, le skin de Koro Sensei est quand même pas si bien fait que ça. Parce que là, on voit que du noir et un sourire. Alors qu'on est censé voir ses yeux quand même. Bon, attendez, je vais quand même rentrer dans la base au lieu de tourner autour. Non, vous voulez pas. Ah. J'aurais rigolé, ça aurait explosé l'armure. On va devoir miner pour avoir du fer. Ah, et du coup, vous savez que je vais sans doute changer de skin Minecraft. Parce que le skin Koro Sensei me plaît beaucoup. Bon, on va pas miner toute la pierre non plus. On n'est pas là pour se faire une grosse forge. On veut juste un seul fourneau avec la pioche en pierre. Alors, du coup, tac, on peut faire notre pioche en fer. Voilà. Merde, pourquoi je sors alors qu'il y a le PVP activé? Je suis so stupide et j'ai aucun stuff. Ah, c'est quoi ce pseudo? C'est mis un mot de passe en pseudo. Tu veux qu'on te pirate? Merde. Ce sont des coordonnées GPS. Et ensuite, tu auras mon adresse. Bon, bah, je vais peut-être flouter son pseudo, alors, au record. Je vais quand même lui demander. Ah, ok. Ça va, alors. Comme j'ai dit, sur Unity, vous serez quasiment sûr et certain de voir pas le kit en entier lance-flamme, mais au moins l'arc lance-flamme. Et peut-être les, des flèches dérivées aussi, des flèches à effet. Parce que je surkiffe ce truc, ce principe d'arc comme ça qui fait le feu partout. Oh,
j'avais encore des bottes en diamant là-dedans. France Walker. Oh, mais ouais, la bouffe, je m'en bats les couilles, en fait. Enfin, pardon, je veux pas dire d'insulte non plus. Donc, ça a l'air, voilà. Les mecs, ils ont même fait une défense. Moi, je m'en fous tout. Ah, merci. Merci, les gars, vous avez pensé à moi. Alors que moi, j'ai pas du tout pensé à vous. On y go. Donc, Enderman, viens là. Viens là, je te regarde. Je veux ton diamant. Voilà, c'est bien. Ouais, non, t'as rien loot. Ah, nickel, merci. Oh, non, 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 par contre, là, ouais. C'est bon, j'ai fermé. J'ai une TNT en plus. On pose là. Hop, les épées, c'est ici. Et tout le bordel, c'est là. Protéger le cœur et à l'assaut. Ok, ça va commencer. 2000 years later. Il s'est rien passé pendant 15 minutes, en fait. Ouais, donc ce que je voulais faire, c'était y aller en mode YOLO, mais j'ai pas de TNT. Donc, autant y aller en mode YOLO avec une TNT. Donc, une TNT, on va en faire. Du coup, on va chercher du sable. C'est là que ma shulker box va me servir. Parce que je crois que personne ne peut y accéder à part moi. Bon, du coup, je vais mettre mon stuff là dedans, et je vais juste prendre du sable dehors. Donc, moi, ce qu'il me faut, c'est du sable. Là, je sais pas si c'est du sable, c'est de la neige. Où est-ce qu'il peut y avoir du sable? Putain, non, je vais pas aller voir ce coin-là avec tous les mobs, faut pas abuser du tout. Allez, ils savent pas ce que je fous, déjà, aussi. Je me balade avec une pelle en pierre, à essayer d'échapper à des mobs, aussi, en étant no stuff. Ah bah, je suis mort. Ah ah! Donc, on a réussi à éliminer, enfin, c'est pas moi qui l'ai éliminé, mais ils ont réussi à éliminer une équipe. Ah, je suis mort. On est tous morts. Qui a gagné? Ah, c'est pas fini. Pour le beau jeu, on reste jusqu'à la fin de la partie. Là, il y a plus que deux équipes. Non, quel fight sans pitié. Je peux pas faire des bons commentaires de fight avec ce pack de textures. Et Gladio qui pose les TNT. X, X, merde, c'est quoi son pseudo? XZ, The Evil Boy, qui a allumé les TNT. Ils sont entrés dans la base. Les verts sont entrés dans la base des bleus. Attention, c'est chaud, c'est chaud. Les bleus sont réfugiés dans leur base. Ils sont encerclés. Que vont faire les bleus? Que vont faire les verts, pardon. Et aussi, que vont faire les bleus? Vous le saurez après la pub. Abonne-toi. 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 Pour pas que je me sois ridiculisé pour rien. Vas-y, clique. Oh. Une Enderpearl, mais qu'est-ce que c'est ingénieux, ça. Et un bleu qui sort, qui attaque le vert, qui le tue, il se fait tuer. Et un autre bleu qui sort, qui se fait tuer. Oh. Oh, victoire de l'équipe verte. GG. Dernier FK. Merde, j'ai pas pu écrire. Ah, il y a beaucoup de monde. C'est la récupération des amis, Discord et tout. Donc je fais une petite ellipse. On va poser toutes nos bombes. ALC. Non. Yes, j'ai réussi à la poser. Et là, je sais même pas si j'ai réussi à toutes les poser. Allez, go, téléportez-vous. Du coup, là, vu que on est full, y'a que les VIP qui peuvent rejoindre. Vu que 3 minutes. Oh, non, me dites pas que je vais crash. Parce que j'arrive plus à bouger. Oh, si c'est bon. On reste sur le hub jusqu'au bout. C'est la fin, ça y est. Il est 23h58. Parce que ma montre, peut-être qu'elle est pas la bonne heure. Attention, débat. Pain au chocolat ou chocolatine. Les gars, Epicube, ça ferme, voilà. Merci, RIP Epicube, je vous aimais. La fin d'une époque, voilà. Bon bah moi, voilà, j'aurais fini sur le serveur Epicube par un lag magistral qui va faire que ça va me déconnecter aussi. Sur un crash de Java, c'est magnifique, un crash de Java, du lag, je sais pas comment ça a fini. Et voilà, et qu'est-ce que ça va noter sur Epicube? Fermeture du serveur, merci à tous. Et voilà, y a personne, login, y a personne, le serveur est en maintenance. Bah écoutez, c'est la fin de la vidéo, donc avant tout je voulais vous parler d'un truc. Certains membres du staff d'Epicube ont créé un serveur Minecraft mini-jeu. Ils ont pas recréé Epicube, mais ils ont créé leur propre serveur Minecraft mini-jeu. Donc je voulais en faire la pub dans ce best-of de live sur la fermeture d'Epicube. Ce serveur s'appelle Blocast et il proposera deux jeux à son ouverture. En premier, un serveur créatif original et en second, un Quakecraft. Comme vous avez pu le deviner, il n'est pas encore ouvert pour le moment. Mais je mets en description les liens de leurs réseaux sociaux, comme ça vous saurez quand il ouvrira. Et s'il est déjà ouvert au moment où vous regardez la vidéo, tant mieux pour vous, vous pourrez jouer dessus. Voilà, du coup c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss !